Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la partie 22 de Resident Evil 4. Pour moi c'est la seconde fois que je l'enregistre étant donné que la première fois l'audio a foiré. Donc je dois recommencer. Donc il faut que je prenne l'avant-dernière sauvegarde. Sinon vous aurez loupé un passage. Donc je recommence cette vidéo hein, parce que j'avais fait une petite erreur dans le logiciel qui enregistre ma voix, donc voilà, c'est tout. Donc, alors, donc voilà, j'ai chargé, là c'est ok, donc c'est bien ça, ouais c'est bien ça. Tout d'abord, avant de commencer à jouer, je vais souhaiter la bienvenue à 4 nouveaux abonnés. Bon, je sais bien, je suis un petit peu en retard pour vous souhaiter bienvenue, mais bon, vaut mieux tard que jamais. Alors, tout d'abord, bienvenue, re-bienvenue à toi, Super Porto 15, puisque tu étais abonné à mon ancienne chaîne. Ensuite, bienvenue à Diaz Bello. Ouais, si j'ai bien marqué et si je prononce bien surtout. Bienvenue à Daphné Paillet, Paillet ou Paillette, je sais pas comment on prononce. Et bienvenue à Christopher Guillou, Guillou, je sais pas comment on dit pour les L. Enfin bon, bienvenue à vous quatre. J'espère que mes vidéos vous plairont et n'hésitez pas à commenter, hein, à faire de l'interactivité. Et voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil, on va dire. Et maintenant, on y va. Bon, du coup, je vous cache pas que ça me fait chier de recommencer cette vidéo, quoi. J'avais réussi pour un coup sans me fail, sans avoir aucun problème et tout, et au final je dois tout recommencer quoi. Et comme par hasard, je suis certain que je vais me fail rien parce que je dois la recommencer et que ça me fait chier. Enfin, ça me fait chier de devoir recommencer alors que je n'étais pas fail pour un coup. Mais bon. On fait avec. Allez, hop, hop. Donc ici on descend dans une petite mine je dirais, ou une petite grotte, ça j'allais oublier. Yeah.
pas pour le moment. Allez, monte ta gueule que je te dégomme. Je combine tout de suite. Ah non, pas le deuxième. Bon, alors maintenant, voilà. Alors, moi maintenant, ce que je fais ça. Ensuite, je monte à l'étage, je ramasse. Et ce qui donne, je fais ceci. Toi tu dégages. Et maintenant, hop, on saute. Donc, je fais ça que j'avais. Et là, je me suis planté, c'est pas de ce que j'ai la vie. Donc, on va pas avoir le choix. Voilà, on est tranquille. Là, on a un pistolet et c'est tout. Alors, ici, les marques jaunes, c'est pas marrant. C'est dans quel ordre? Bon, on verra. Allez, on boite. Ah, des munitions qui justement, c'est ce qu'on veut.
Oh non. Oh, je déteste ce truc. Bon. Oh, allez, dégage, j'ai pas le temps de m'occuper de toi. Alors maintenant, je ne l'active pas tout de suite. D'abord. De pouvoir,
grimper. Hein. Voilà. Bon. Je m'en sors pas si mal. Mais pas encore aussi bien qu'hier, puisque hier je me suis même pas fait toucher. Là, on remonte. Combien? 16 minutes? C'est bien ce que je pensais, je me suis planté. Alors, ici. Bon. De l'argent. Le velours. Donc une statue de Salazar. Oh putain, allez hein! Oh fils de pute quoi! J'appuyais sur carré, connard! Acheter votre cerveau dans un Kinder ou quoi? Putain, mais pourquoi ils sont de l'autre côté la boule? Mais... Ça te va comme ça? Bon, et toi, c'est le même ça. Ils commencent à me gonfler ce connard. Bon.
régulièrement. Maintenant que la première vague est réduite, alors si tu te brouilles un peu, c'est mieux. Donc là, on fait remonter un truc, un morceau du pont. Je vais faire comme pour le précédent levier avant d'appuyer. De remonter en haut parce que j'ai oublié un petit détail. Donc ici on peut passer derrière la statue. Là nous avons ça et nous avons un levier.
ça. Surtout ne pas essayer de traverser les ponts tout de suite une fois que vous les avez désactivés, enfin remis en place plutôt. Comment moi je m'occupe d'abord d'éliminer tous les ennemis et après on court. Enfin, éliminer tous les ennemis, on n'est pas obligé, hein, on peut économiser les munitions, mais bon, je suis pas en mode pro donc faut pas exagérer. Les ennemis ils sont où? Mais je ne sais pas où. Ok, ça va être bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on est à 28 minutes. Non, je vais faire une sauvegarde de sécurité. Parce que je risque de me faire, surtout que je sais même plus courir, c'est carré, je crois. Ouais, c'est sur celle-là que je dois faire carré. Voilà. Bon, bah, au final. Hop. Alors. Ici. Hop. Et maintenant. Hop là. Hop là. Hop là. Merde. Ouf. Et maintenant. La manette. Bon, ben pour un coup, je ne me suis pas fait à cette phase-ci. Par contre, ici, je ne sais plus. Ah, coucou Salazar. So nice you could join us, Mr. Scott Kennedy. You again. The sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power. She will join us, become one of us. This is no ritual, it's terrorism. Isn't that a popular word these days? Not to worry. We've prepared a special ritual for you. Stop!
Eh ben, heureusement que j'ai la manette en main. Sinon, la coupe, je l'avais oubliée, celle-là. Alors, munitions pistolet, ça sera. Désolé. Donc là, par contre, enfin, vous, ça vous arrange, n'est-ce pas, Rudy?
Tape-toi la tête avec ça. Oh putain. Ah ouais, c'est vraiment pour me faire chier là. Bon, ben viens, hein, je vais t'avoir un couteau. Hein. Allez, grouille-toi, j'ai pas de temps à perdre. Déjà 37 minutes en plus. C'est même pas bon. Prochain point de sauvegarde. Alors, ça, ça va aller là, là, hop. Bon, bah écoute, si tu viens pas, va te faire foutre. Je vais pas t'attendre pendant 10 ans. Allez, hop. Voilà. Et maintenant, c'est parti pour la phase patrouille. Et ça te dégage. Ça doit être un peu plus loin, on est à combien, 41 minutes. Bon. On a... On s'en fait un peu. D'accord. On a encore un peu. Ah, voilà, je ne sais pas où il faut. Toi, tu te ranges comme ça, c'est parfait.
nous avons un bras qui en vendre. Bon, ben moi je n'ai pas d'ennemi, donc au revoir la fin. Bon, alors ici, d'accord, ben ça sera pour la prochaine vidéo, hein. Hein, Rudy, ça sera pour la prochaine vidéo, hein, donc tu devras attendre de voir l'effet dans la prochaine vidéo. Rien que pour t'embêter. Got some rare things on Swat are you selling? Alors, bâton royal. Ah, thank you. Is that all? Thank you. Bleu, rouge, vert. Is that all? Is that all? Is that all? Is that all? Thank you. Normalement, c'est deux machins qui. Is that all? Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Okay. What are you buying? Non, merci, pas maintenant. Easy. Je vais. Is thank you. Is thank you. Is that all, stranger? Thank you. What are you buying? Et maintenant, je fais une sauvegarde et on va en rester là pour cette partie 22. Donc, mon petit Rudy, tu vas devoir prendre ton mal en patience pour savoir si je vais me faire avec le boss ou pas. À mon avis, oui, mais bon. D'ailleurs, si je me suis équipé du Magnum, c'est pas pour rien, parce que je vais l'avoir au Magnum. En fait, ce qui m'inquiète, c'est même pas, tu sais, côté esquive de ces espèces de tentacules ou quoi. C'est plutôt son attaque qui te one-shot, si, parce qu'il n'y a pas de QTE pour cette attaque-là. Et le problème, c'est que même quand tu cavales pour aller d'un côté ou de l'autre pour justement esquiver cette attaque, quand le jeu a envie de te faire chier, il te fait chier. Parce que je le sais, même en mode facile, j'avais la couille, donc j'étais 10 km à côté d'où il tapait et il arrivait quand même à m'avoir, quoi. Enfin bref. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.